Dans la population des exoplanètes, nous pouvons, par un premier tri grossier, identifier celles qui sont suffisamment petites pour être des planètes rocheuses et pas gazeuses essentiellement. Et nous pouvons aussi identifier les planètes qui ne sont ni trop proches ni trop lointaines de leur étoile pour être dans cette fameuse et mal nommée zone habitable où l'eau liquide de surface est possible. Mais est-ce que nous pouvons aller plus loin? Et parmi les planètes que l'on trouve dans cette zone habitable et de la bonne taille, celles qui sont peut-être de meilleures candidates pour la recherche de vie? J'aurais tendance à dire qu'aujourd'hui, non. Mais par contre, nous pouvons un petit peu énumérer, recenser, lister les phénomènes, les processus qui vont forcément jouer un rôle sur cette habitabilité, mais sur lesquels nous ne pouvons pas faire de prédictions sur la base des seules observations que nous avons aujourd'hui. Une des grandes questions qui se posent à l'heure actuelle en planétologie, c'est de savoir si la Terre est une planète pauvre ou riche en eau. C'est un peu le problème du verre à demi plein ou à demi vide. Sur cette image, vous voyez toute l'eau des océans terrestres rassemblée en une petite sphère, ce qui nous permet de comparer ce volume au volume entier de la Terre. Il faut savoir que l'eau des océans terrestres constitue moins de 0,1% de la masse de la Terre. Sachant qu'il y a peut-être de l'eau, et il y en a, c'est certain, mais dans quelle quantité, nous ne le savons pas exactement, il y a de l'eau aussi dans l'intérieur de la Terre, en dissolution dans le manteau terrestre. Donc une première question qui va se poser, c'est quels sont les mécanismes qui contrôlent la répartition de ce réservoir d'eau entre la partie qui est inaccessible au vivant qui est à l'intérieur et la partie superficielle dans laquelle le vivant peut se développer. Et est-ce que la quantité d'eau que va posséder une planète va être un paramètre important? On peut facilement imaginer qu'une planète ait trop peu d'eau et que le peu d'eau qu'il y ait soit entièrement capté par son intérieur, ou pas disponible en quantité suffisante pour le vivant. Mais est-il possible d'avoir trop d'eau sur une planète? Les modèles de formation des planètes prédisent que l'on devrait trouver des planètes beaucoup plus riches en eau que la Terre. Des planètes qui, comme les lunes glacées de Jupiter ou de Saturne, peuvent être constituées de 5, 10, 15, 30% d'eau. Et dans ce cas-là, au lieu d'avoir en moyenne 3 km d'océan comme sur Terre, on aurait des océans profonds de centaines, voire milliers de kilomètres. Est-ce que c'est un problème pour les origines, pour le maintien du vivant, le fait de, par exemple, ne pas avoir de continent émergé? Bien, il est difficile de le dire aujourd'hui. Donc ça, c'est une grande problématique de savoir quelle quantité d'eau on va trouver sur les planètes et quel rôle est-ce que ça joue. Parmi les ingrédients de l'habitabilité, eh bien, on a parlé de la zone habitable, mais il va y avoir beaucoup de planètes aussi, dont les orbites ne font que passer par la zone habitable, parce qu'elles sont excentriques, elles sont elliptiques. Et ça, ça va avoir des effets sur l'habitabilité qui vont beaucoup dépendre du type de l'étoile autour de laquelle on se trouve. Si on est autour d'une étoile solaire ou plus lumineuse que le Soleil, où les orbites durent une année, deux années, trois années, eh bien ça veut dire que la planète va passer beaucoup de temps hors de la zone habitable et va pouvoir basculer dans des climats très chauds ou très froids, dans des phases climatiques irréversibles et non habitables. Si par contre la planète se trouve autour d'une petite étoile, eh bien dans ce cas-là, les périodes orbitales seront courtes et finalement, le climat de la planète ne sera sensible qu'à la valeur moyenne de l'installation. La rotation des planètes va être un ingrédient majeur du climat et donc de l'habitabilité. Une planète qui, par exemple, tourne sur elle-même avec la même période qu'elle effectue sa révolution autour de l'étoile va présenter toujours la même face à son étoile. Et ça, c'est un cas que l'on pense va se trouver dans la majorité des systèmes exoplanétaires, parce que c'est quelque chose qu'on va retrouver autour des naines rouges et qui sont les étoiles les plus communes. Donc ça, c'est un premier exemple d'un effet dramatique de la rotation sur le climat, dramatique dans le sens important, pas forcément invalidant l'habitabilité, mais on va avoir toute une gamme de rotations lentes, rapides, des planètes en rotation rapide qui homogénéisent très bien leur climat. On va avoir des planètes avec des obliquités très marquée, et donc non seulement des saisons beaucoup plus marquées que sur Terre, mais une zone équatoriale qui va devenir la zone la plus froide, alors que pour la Terre, ce sont les régions polaires. Donc il va y avoir toute une gamme, toute une zoologie du climat contrôlée en partie par la rotation et l'obliquité des planètes. Et bien sûr, un ingrédient important, c'est l'atmosphère. Comment est-ce qu'une planète génère son atmosphère, entretient son atmosphère? Toutes les planètes forment-elles des atmosphères? Ces atmosphères vont-elles fournir suffisamment d'effets de serre pour que, quelle que soit la position dans la zone habitable, on puisse avoir des climats compatibles avec le vivant? Ce sont là de grandes questions. Alors, pour maintenir une atmosphère, il faut la recycler.
C'est en tout cas ce qu'on pense sur Terre. L'atmosphère est recyclée par le volcanisme, lui-même entretenu par la tectonique des plaques. Le dioxyde de carbone précipite sous forme de carbonate, et dans les zones de subduction, il est à nouveau relâché dans l'atmosphère. Donc on a un recyclage de l'atmosphère, un maintien de l'atmosphère qui permet notamment à la Terre de repartir après des phases, par exemple, de glaciation globale. Il faut pouvoir maintenir une atmosphère, même si celle-ci est érodée par l'irradiation de son étoile. Certaines étoiles très actives, même la majorité des étoiles sont très actives, car les naines rouges très abondantes sont très actives, émettent du rayonnement très dur, des particules, du rayonnement X extrême UV, qui peuvent souffler les atmosphères dans l'espace. C'est donc un ingrédient extrêmement important à prendre en compte. Le taux d'impact astéroïdo-cométaire que va subir une planète va bien sûr avoir une importance critique. Dans le cas de l'histoire de la Terre, ces impacts ont souvent correspondu à des grandes extinctions sur Terre. Mais on pourrait imaginer, dans d'autres cas, que les impacts soient plus violents et ne donnent pas lieu à une extinction, mais à une stérilisation complète. Et si on connaît bien la population des petits corps du système solaire, des astéroïdes, des comètes, bien sûr, on la connaît très mal, voire pas du tout, dans les autres systèmes planétaires. Donc c'est aussi tout un champ d'études pour l'habitabilité. Et finalement, un des aspects aussi les plus importants, c'est la disponibilité des briques, des briques même du vivant. Au-delà de l'eau, la vie, pour se constituer, a besoin de matière organique, de carbone donc, dans une forme réduite, d'azote, mais aussi de plein d'autres éléments. Et on s'est pour l'instant contenté, dans notre critère de sélection, de la possibilité d'avoir de l'eau dans un certain état. On est très loin d'avoir fait le recensement de tous les ingrédients dont la vie a besoin, et en particulier de la question de la matière organique. Donc la question de comment la matière organique est apportée aux planètes, quelle va être leur teneur en matière organique en fonction d'un système planétaire à un autre, comment la formation planétaire s'accompagne d'un ensemencement des planètes en matière organique, à nouveau, une grande question qui, même dans le cas de la Terre, est encore aujourd'hui mal connue. Alors vous imaginez que pour les exoplanètes, on a encore énormément de travail à effectuer.